Mais le lendemain matin, le prince, quand il s'est levé, il a dit à sa polyte, « Allez, viens, on va chanter ensemble !» Elle l'a regardé, elle lui a fait, « Non. »« Ah, oh, c'est une blague, allez, viens !» Non, c'était pas une blague. Elle lui a dit qu'ils ne pouvaient pas chanter ensemble, qu'ils ne connaissaient rien, qu'il avait besoin d'apprendre le chant des chants. Il fallait qu'il devienne le nouvel encourageur s'il voulait chanter avec elle. Le prince a cru que c'était une blague, et puis non, c'était pas une blague. Le nouvel encourageur. Depuis qu'il était tout petit, lui, il avait tout. Des ballons, des chevaux, des haras. Mais il lui manquait toujours un truc essentiel. Avec elle, il était plein. Alors il enlevait ses habits de soie, il a mis des vieux vêtements et il est parti travailler dans les champs avec les paysans pendant 5 ans. Pendant ce temps, sa polyte, elle a appris à lire, à écrire, à compter, l'import-export, tout ce qu'il faut pour diriger un royaume. Et un jour, alors qu'elle était au sommet de la plus haute tour, en train de comprendre les phénomènes météorologiques, elle a entendu une voix qui montait des champs où travaillaient les paysans. Elle reconnaîtrait sa voix entre mille. Alors elle dévale les escaliers. Sa robe soulève des nuages de poussière. Elle court, elle le rejoint sous l'olivier. Et là, enfin accordés, ils ont pu s'aimer et chanter. Et le roi, Principe Bello, une fois devenu roi, il a exigé que tous les riches, tous les puissants apprennent la chanson. Il ne pouvait pas désobéir. Et 5 ans plus tard, ils la savaient tous. Et là, tout a changé. Ils ont trouvé de l'argent pour les hôpitaux, les écoles, l'éducation populaire. C'était formidable, le royaume musical. Certains racontent qu'ils ont inventé la sécurité sociale et la semaine de 25 heures. Non mais, c'est pas sûr ça. Et ils ont vécu heureux, tous en harmonie. Ça a duré longtemps, le temps d'une vie. Et puis un jour, de vieillesse, Saporita et le prince sont morts. Et une fois morts, les puissants, les papes des environs, ont envahi le royaume musical pour remettre le monde à l'endroit. Tout pour les riches et les puissants, rien pour les paysans, les migrants, les ouvriers, etc. Et depuis cette histoire, presque tout le monde l'a oublié. Thank you.
Au son, Nicolas Malik Salal, on peut l'applaudir bien fort. À la lumière, Nicolas. À la batterie, Thomas Bourgeois. Guitare, composition, Laurent Blanc. Chant, flûte, composition, Cyril Echenciolo. Au compte, à la direction artistique et aussi à la composition, Luigi Rignanese. Merci.